Aujourd'hui, on a le plaisir de Super. recevoir. Martin, et je vais vous faire un développement, un format de développement sur le fait que C est algébriquement clos par la réduction. Voilà. Donc sans théorie des groupes. Donc on va commencer par faire le Et sans carrefour analyse, et sans et analyse, sans tout à fait. topologie, Et sans et topologie sans aussi. tout, Voilà, ouais. exactement. Donc on va commencer par faire le cas réel. Donc on va se donner un polynôme P qui appartient à R crochet X. Voilà. Et on va montrer qu'il admet une racine complexe. Qu'il admet une racine complexe. Et alors ensuite, on pourra conclure par récurrence sur le degré, qu'il est bien scindé sur C. Donc le premier cas qu'on va faire, c'est si P est de degré impair. Voilà. Alors dans ces cas-là, il y a des limites en plus l'infini et en moins l'infini qui sont de signes opposés, bien sûr. Et alors, par le théorème des valeurs intermédiaires, P admet une racine réelle, donc complexe. Et alors le deuxième cas, du coup, c'est si le degré de P est pair. Et alors là, on va procéder par récurrence, mais non pas sur le degré, mais sur la valuation dyadique du degré. Alors on procède par récurrence sur la valuation dyadique qu'on va noter comme ça, de degré de P. Voilà, alors pour l'initialisation, donc si enfin, la valuation dyadique du degré de P est égal à 0, donc ça c'est le cas où le degré de P est impair, et ça on l'a déjà fait juste au-dessus. Ensuite, pour l'hérédité, on va prendre un M supérieur ou égal à 1, et on suppose que tout polynôme P de R crochet X a dont la valuation dyadique du degré strictement inférieur à m, admet une racine complexe. Et c'est notre hypothèse de récurrence. Et on va se donner p, un polynôme de R crochet x, ici, voilà, tel que on va noter n son degré, voilà, et on va noter la valuation dyadique de son degré, qui est égal à m. Et alors la première étape, donc petit i, ça va être de construire des endomorphismes, une famille d'endomorphismes qui va stabiliser Sn. Donc pour ça, on va commencer par poser deux endomorphismes, u qui va de Mn de R, de Mn de R, donc l'endomorphisme sur l'espace des matrices réelles, et qui est la multiplication à gauche par la matrice compagnon du polynôme P. Et de même, on va poser V, qui sera aussi de la Mn de R dans la Mn de R, et qui sera la multiplication à droite par la transposée de la matrice compagnon. Voilà. Et enfin, on va s'intéresser à la famille suivante d'endomorphismes. On s'intéresse à la famille WL d'endomorphismes pour L un réel. Voilà, avec WL qui est égal à U plus V, plus L fois U rond V. Voilà, très bien. Alors, la première remarque sur pourquoi on a posé ces endomorphismes-là, c'est que, pour tout L appartenant à R, WL stabilise Sn, l'ensemble des matrices symétriques. Voilà, donc ça, on peut le voir en regardant la transposée de WL de M pour une matrice de Sn. On voit que c'est égal à WL de M. Donc on peut regarder son induit, et en particulier le polynôme caractéristique de son induit. Donc le polynôme caractéristique de son induit, on va noter qui de WL restreint à Sn,
Il est de degré la dimension de Sn, et donc de degré n, n-1 sur 2. Voilà. Et or, l'évaluation de Hadic de n, n-1 sur 2, eh bien, c'est bien m-1, donc 1 de moins que l'évaluation de Hadic de m. Donc on peut appliquer notre hypothèse de récurrence sur ce polynôme caractéristique, et on peut dire que qui de WL de Sn possède une racine complexe de récurrence. Possède une racine complexe par l'hypothèse de récurrence. Autrement dit, une des valeurs propres de WL restreint à Sn est complexe, et donc on va s'intéresser à quelles sont ces valeurs propres, et on espère bien qu'on a construit nos endomorphismes pour qu'elles soient liées aux racines de B. Donc, quelles sont les valeurs propres de... Alors, dans un premier temps, de WL. Donc déjà, on peut regarder les valeurs propres de U et de V. Et alors ce qu'on sait, donc ça c'est pareil, c'est facile à montrer, c'est que qui de U, c'est égal à qui de V, c'est égal à qui de CP, qui est égal à P. Donc on connaît les valeurs propres de U et V, c'est les racines de P. Et alors les racines de P, on va les nommer. Et pour ça, comme on ne sait pas encore que C est algébriquement clos, on a besoin de se placer dans une extension de C. Donc on va poser K, un corps de décomposition de P, dans lequel on va pouvoir écrire ses racines. Décomposition de P. Et on va appeler zeta1 jusqu'à zn, donc des éléments de K, les racines de P. Voilà, donc certaines peuvent être égales. Et alors ensuite, on sait aussi que U et V commutent. Alors les commutes, c'est une multiplication à gauche et une multiplication à droite. Voilà. Et donc, ils sont quadrigonalisables, bien évidemment dans C. Donc on va prendre... c'est pas plutôt dans K ? Ils sont quadrigonalisables tout à fait dans K. T'as pris de l'avance sur la récurrence. Tout à fait, faut bien passer sur le fait que on est dans K. Donc on va prendre E, une base de cotrigonalisation de U et V. Voilà. Et alors on sait que la matrice dans E de U, donc c'est une matrice triangulaire supérieure, et sur cette diagonale, on va avoir des valeurs propres de U qui sont des racines de B, donc des zeta quelque chose, alors qu'on va noter... de phi 1 jusqu'à, donc c'est des matrices de taille n carré, hein, la dimension de mn de r, jusqu'à zeta de phi n carré, et c'est une matrice triangulaire supérieure. Et alors phi c'est quoi? Bah, c'est juste une fonction de 1 n carré dans un n, et donc c'est juste une manière de dire que sur la diagonale on a des racines de p, mais on ne sait pas lesquelles. Et de la même manière, la matrice dans e de v, elle va être de la même forme. Alors les racines ne seront pas forcément dans le même ordre, donc on va poser de psi 1 à psi n carré. Voilà, avec de la même manière, psi va de 1 n carré dans 1 n. Voilà. Mais alors par multiplication et addition sur des matrices triangulaires supérieures, on peut facilement calculer la matrice dans E de WL. Alors on va se donner peut-être un L appartenant à R. Voilà. L appartenant à R. Et donc, elle va être de la forme, alors on a quoi donc? On va avoir des zeta phi 1 plus zeta psi 1 plus L zeta phi 1 zeta psi 1, et ce jusqu'à zeta phi n carré plus zeta psi n carré plus L zeta phi n carré zeta psi n carré. Donc, c'est aussi matrice triangulaire supérieure. Très bien. Bon, et donc, les racines de WL, de qui de WL, sont de cette forme-là. Et donc, a fortiori aussi, les racines de l'induit, du polynôme caractéristique de l'induit de WL sur Sn. Et on sait que, par hypothèse de récurrence, il y a une des racines, voilà, de qui de WL restreint à Sn qui est complexe. Donc, on sait que pour tout L appartenant à R, il existe un I qui appartient à 1n carré,
tels que zeta de phi plus delta psi plus L zeta phi zeta psi appartiennent à C. Très bien, mais alors donc on a ça pour tout L appartenant à R, et il n'y a que N carré possibilité pour I. Donc on va pouvoir trouver un L et un L', pour lequel c'est le même I, dont cette expression-là appartient à C. Donc il existe un I qui appartient à un N carré, et L différent de L', deux éléments de R, tel que on est zeta phi plus zeta psi plus L zeta phi zeta psi, donc là on va l'appeler RL, qui va appartenir à C. Et de même, on a la même chose pour L', alors zeta phi, plus zeta psi plus L' zeta phi zeta psi égale L' appartient à C. Très bien, et alors par combinaison linéaire de ces deux éléments, on va retrouver des relations coefficients racines. Donc on va regarder RL moins RL prime sur L moins L prime. Et ça, c'est égal à zeta phi i zeta psi i, qui va aussi appartenir à C, vu que L et L prime sont dans R et RL et RL prime sont dans C. Et L prime RL moins L RL prime sur L prime moins L, ça c'est zeta phi plus zeta psi qui appartient également à C. Et donc là on reconnaît les relations de coefficients racines d'un polynôme de degré 2, et on peut dire donc que zeta phi et zeta psi sont racines d'un polynôme de degré 2, un polynôme de degré 2 à coefficient dans C, puisque ces coefficients, c'est ces deux éléments-là. Voilà, et donc en particulier, on va avoir par exemple zeta phi qui appartient à C, puisque c'est quadratiquement clos, donc c'est que les racines d'un polynôme de degré 2 sont dans C. Et donc on a bien montré que notre polynôme P possédait une racine complexe, ce qui conclut notre récurrence, et le fait que tout polynôme dans P croche, dans R croche X admet une racine complexe. D'accord. Voilà. Et comment on se ramène si on part d'un polynôme à coefficient complexe dans voilà, C de X si on part d'un polynôme à coefficient complexe... Là, t'étais à 13 minutes, là. Ah bah très bien, on a encore un peu de temps, voilà. Donc si P appartient à C crochet X, eh bien on peut simplement poser, on pose R qui est égal à P bar. Alors ici, P bar, c'est la conjugaison qui s'applique sur l'algèbre des polynômes, donc sur chacun des coefficients de P. Et on a que R bar, c'est P bar P, donc ça c'est la même chose que R. Donc R est stable par conjugaison, et ça veut bien dire que R est un polynôme réel. Voilà. Comme on l'a déjà montré pour les polynômes réels, on sait que donc R admet une racine complexe. Une racine complexe X. Voilà. Donc R de X est égal à 0. Et ça veut dire P de X. P bar de x égale 0. Voilà, par intégrité. Soit on a P de x qui est égal à 0, alors on a trouvé une racine pour P. Soit P bar de x égale 0. Et alors ça, en reprenant le conjugué, ça vous donne P de x bar qui est égal à 0. Donc dans tous les cas, on a bien retrouvé une racine pour notre polynôme complexe P. D'accord. Voilà. Allez, 30 secondes. Qu'est-ce que c'est qu'une matrice compagnon ? Ah, qu'est-ce que c'est qu'une matrice compagnon ? Alors, c'est une manière d'associer les endomorphismes à un polynôme. Et alors, donc, la matrice compagnon CP d'un polynôme P, hop, elle ressemble à ceci. Alors, on a des 0 sur la diagonale, alors, sauf sur la dernière colonne. On a des 1 ici. Et sur la dernière colonne, on a l'opposé des coefficients de notre polynôme P.
Donc moins 0, moins A1, jusqu'à moins AN. Il tombe pas là, il tombe à côté du 1. Il tombe à côté du 1, tout à fait. Et voilà. C'est pas moins AN, ou alors on est en dim. Le polynôme, a priori, il est unitaire. Le polynôme est unitaire, tout à fait. Donc c'est moins AN moins 1. Ici, voilà, avec, si on note P, qui est égal à XN plus N moins 1, XN moins 1. Ouais, jusqu'à... Jusqu'à A0. Impeccable. Voilà. Ok. Et donc c'est la propriété que son polynôme caractéristique est égal à P. Très bien. Et son polynôme minimal aussi. Et son polynôme tout. Minimal aussi. Ok. On va passer à quelques questions. Ouais. Allez, on part aux questions. Ouais. Donc, c'est une récurrence d'abord. Cette récurrence voilà. Est curieuse. Elle part... C'est une récurrence non pas sur le degré, mais sur la devaluation, parce que le côté impair est trivial, quoi. C'est le TVI. Oui. C'est la seule partie analytique. Ouais. Et alors... comment on baisse finalement est-ce que tu peux nous montrer comment on baisse cette dévaluation? Voilà, tout à fait. Donc, si on a construit ces endomorphismes qui stabilisent SN, c'est parce que donc, la dimension de SN, c'est celle-ci. De SN, est-ce que c'est vraiment celle-ci? La dimension de SN, ouais. Est-ce que c'est vraiment tout à fait ça? Non. Par exemple, pour n égale 2. Oui, oui. Pour n égale 2, oui, non, on devrait avoir du n plus 1 ici. Oui, oui, on en a du n plus 1. On a bien du n plus 1, tout à fait. Voilà, donc en effet, c'est le triangle supérieur. Hein. Oui, oui, voilà. C'est bien n plus 1 sur 2, tout à oui. fait. Si ça avait été les matrices antisymétriques, là, c'était juste, mais oui, là, oui. c'est... Voilà. Mais ça changerait en résultat de la dévaluation. En effet, ça changerait en résultat de la dévaluation. Alors, tu peux expliquer un petit peu là-bas ou... tu peux mettre bon, l'évaluation de Maddy, donc ici on a n plus 1, comme on est dans le cas où m est supérieur ou égal à 1, n est pair, donc n plus 1 est impair, donc sa évaluation de Maddy, voilà, c'est 0. Et ensuite, donc, c'est l'évaluation voilà. de n sur 2, d'accord. qui est forcément 1 de moins que l'évaluation de Maddy de n. Oui, oui. En fait. Donc c'est parce qu'on était dans le cas m strictement, ben, supérieur, en tout cas supérieur ou égal à 1. Oui, hein. tout à fait. Ouais, ouais. Oui, d'accord. Ok, donc on a une racine complexe. Alors, est-ce que tu peux expliquer pourquoi maintenant le polynôme caractéristique de l'induit divise le polynôme caractéristique? Eh bien oui. Oui, oui on peut. On peut aller là. Je peux, tout à fait. Oui. Alors, pour ça, on peut peut-être... pourquoi le polynôme caractéristique de l'induit divise le polynôme caractéristique? Alors sur les polynômes minimaux, en tout cas sur les polynômes annulateurs, c'est facile de voir ça. Oui. Donc, en fait, ça suffit avec les polynômes minimaux. Voilà. Donc on a mu de WL qui divise le polynôme minimal de... Alors c'est l'inverse. Le polynôme minimal de WL restreint à SN, induit de WL sur SN, qui divise le polynôme minimal de WL. Ouais, ouais. Et pourquoi? Eh bien parce que, évidemment, le polynôme minimal de WL annule bien l'induit de WL d'accord. sur très SN. Très bien. Donc ça suffit pour... Mais on a aussi cette divisibilité pour les polynômes caractéristiques. Est-ce que tu vois comment on montre ça? Mais pourquoi? Eh ben, on peut peut-être simplement, si on se met dans une base adaptée, oui. en fait. Oui, oui. Donc, si on prend quoi? On prend une base de SN. Oui, oui, très bien. Voilà. Une base adaptée je vais à SN, oui, oui. Je prends bon, la matrice dans une certaine base B. Oui, oui. On a toujours... De WL. Oui, oui. Voilà. Donc ici, là, on va prendre une base de SN. Oui, oui. Voilà. Là, on aura la matrice qui correspond à WL, à l'induit de WL sur SN. Oui, oui, c'est ça.
Et comme on stabilise, comme WL stabilise SN, ici on aura un autre bloc. Comme ceci. Ici on a un bloc. La stabilisation, ça va se voir comment? C'est pas par le bloc que tu as dessiné, là, c'est un autre. Non, c'est le 0. Voilà, c'est ici. Le 0 ici. Voilà, c'est ça. Très bien, voilà. Bon, là, il n'y a plus qu'à prendre le déterminant ici. Donc, voilà, on est convaincu. On l'a démontré de deux manières. Bon, alors maintenant, pourquoi... Donc, c'est bon, alors on va admettre que cette matrice compagnon, elle a bien pour polynôme caractéristique P. C'est un grand classique qu'on trouve un peu partout. Mais cette histoire de multiplication à gauche par une matrice... Ah oui, voilà. On peut peut-être faire ça un peu dans... Oui. On peut peut-être regarder un quel peu... Quel est le... Si on regarde, disons L... Le polynôme A, minimal, oui. Voilà, la multiplication dans les mêmes de R. Oui, oui. Qui M associe à M. À M, ouais. Et on veut s'intéresser peut-être déjà au polynôme minimal ou au polynôme caractéristique. Bah, polynôme minimal, oui. Comme ça, on a toutes les... Bon, et bien si on regarde un polynôme, un P qui annule A, donc si on regarde P tel que P de A qui est égal à 0, ce qui est important, c'est que P de L de A, oui, oui. De M, disons, pour une matrice M, oui, oui. De M de C, et bien ça, c'est... C'est L de P de A. Oui, oui. De M. Voilà. Et donc, si P annule A, ça c'est 0 pour tout M. Oui, oui. Et donc, P de L de A. Égale 0. Voilà. Donc, les polynômes qui annulent A, ils annulent aussi L de A. Et alors c'était dans l'autre sens. Et dans l'autre sens, oui, dans oui. Dans l'autre sens, si P de L de A égale 0. Dans l'autre sens, si P de L de A est égal à 0, et bien, si on l'applique à... On l'applique encore à M. Ouais, voilà. Alors, quel que soit M, ça va être R, par exemple. P de L de A de M égale 0. Donc L de P de A. Oui, non, mais là, tu tournes en rond. Tout à fait. Tout à fait. P de L de A de M, c'est la multiplication par... Oui, c'est la multiplication par l'élément nul ici. Non, oui, oui, d'accord. Mais justement, cet élément nul, c'est plutôt par P de A. Si tu prends P, oui, d'accord. Si tu prends P égale x puissance n, tu vois bien que tu multiplies par x puissance n, c'est ça qui est. Oui, tout à fait. Donc ça fait P de A. Oui. P de A m. P de A. De m. M. Oui. Voilà, égale 0. Et maintenant, faut prendre. Maintenant, faut prendre une base, par exemple. On prend m égale. Il suffit de prendre m une matrice particulière pour avoir P de. L'identité. Voilà, l'identité. Ouais, égale l'identité, et on trouve P de A égale 0. Égale 0, et donc, donc ils ont même annulateur, donc même polynôme minimal, donc voilà. Les mêmes valeurs propres. Quoi, hein. Voilà, tout à fait. Voilà, c'est ça. Ok. Alors, on continue dans les questions. Ici, si, par exemple, bon, on a dit que C était quadratiquement clos. Effectivement, c'est quadratiquement clos. Maintenant, si on avait dit, si on avait trouvé que c'était des racines d'un polynôme de degré 3, voilà, et ben, est-ce qu'on aurait pu conclure? Oui, tout à fait, ça n'aurait pas posé de problème non plus pour le degré 3, parce qu'on sait qu'on a une formule explicite pour les racines des polynômes de degré 3. Ouais, mais la formule explicite, le problème n'est pas qu'elle soit explicite, c'est qu'elle soit... C'est qu'il soit exprimable par radicaux. Par radicaux, voilà, c'est ça. Que ces racines et on sait prendre des radicaux dans C. Oui, c'est ça. On sait. Pourquoi on sait prendre des radicaux dans C? On sait prendre des radicaux dans C, et bien parce qu'on peut trouver une racine carrée de tout élément dans C. Oui, mais pas carrée.
Là, on est dans des radicaux. Énième. C'est une énième, même, de tout élément dansé. Et ça, ça se voit avec, avec la forme polaire. Oui, oui. Voilà, avec la forme polaire. Parce qu'on sait le faire dans R+, voilà, étoile. En Z, qui est égal à, à rho, θ, avec rho dans R+. Eh bien, on peut prendre la racine énième de rho dans R+, et ensuite prendre de θ sur N. Ça, c'est une racine énième de Z, dans C. D'accord. Ok, dernière question. Pourquoi on ne peut pas le faire sur Q, ce truc? Parce que la récurrence, elle marche très très bien. Oui, mais pas le théorème des valeurs complémentaires ici. Voilà. C'est ici qu'on utilise la propriété de R. Oui. Par le théorème des valeurs complémentaires. D'accord. Et puis le côté radical, peut-être, dans oui, dans ces. Il y a deux obstructions pour, qui font qu'on ne peut pas le faire sur un autre corps. Ouais. C'est le TVI et le fait d'être quadratiquement clos. Ouais. C'est les deux trucs dont on se sert et ça conclut bien notre affaire. Tout à fait. Merci. Merci.